Une nouvelle étape pour la SODEMI, la Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire. Le laboratoire d'analyse minérale de cette société devient le seul accrédité selon le référentiel ISO-IEC 17025 porté sur l'or. Une certification qui intervient au terme d'un processus conduit par le système ouest-africain d'accréditation. Un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables sous bassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. Je suis heureux de rappeler que le SOAC a signé les accords de reconnaissance mutuelle de la coopération africaine d'accréditation, AFRAC, en avril 2022, et ceux de la coopération internationale d'accréditation des laboratoires ILAC en mai 2022. Ces deux signatures confèrent de facto aux attestations délivrées par le laboratoire de la SODEMI accrédité SOAC une portée à la fois africaine et internationale. Chers partenaires, chers collaborateurs et opérateurs miniers, l'État de Côte d'Ivoire a fait sa part à travers sa société d'État SODEMI, en mettant à votre disposition un outil de référence international respectant tous les standards en matière de fiabilité et de crédibilité. Notre laboratoire, vous y êtes de plus en plus attendu pour vos futures opérations. Nous sommes en capacité de vous offrir 2 voire 3 postes de travail par jour dans le cadre de la célérité du traitement des échantillons. Se réjouissant des performances de cette structure à capitaux publics, le ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie a invité ses responsables à franchir d'autres étapes. La SODEMI doit à présent mettre le cap sur la mise en place de l'unité d'affinage d'or. Oui, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est une étape importante qui va permettre non seulement d'être encore plus présent sur la chaîne des valeurs, mais aussi et surtout de contrôler et de juguler le phénomène de l'orpaillage illégal par la maîtrise de la chaîne des valeurs. Créée en 1962, la SODEMI a entre autres pour mission d'exécuter les programmes de recherche géologique et minérale établis, de participer à la mise en valeur des découvertes et à l'exploitation des gisements.